On doit m'entendre comme il faut. Bonsoir à tous. Bon, salut Brainstorm. Alors, on se retrouvera enfin ce soir, depuis quasiment 2 semaines d'absence, pour continuer la chasse au trophée de Resident Evil Rebirth. Si mes souvenirs sont bons, on s'en était arrêté à finir le jeu uniquement avec le couteau. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer au mode survie de Resident Evil, à savoir que les coffres ne sont plus reliés entre eux déjà, mais par contre la porte qui peut se péter, qui amène au niveau des escaliers, il y a une porte qui est censée se péter, qui maintenant ne se pète plus, justement pour nous permettre d'utiliser celle de la salle de sauvegarde avec le coffre ici, qui va être un endroit très stratégique mine de rien, parce qu'on va faire pas mal d'aller-retour dans cette partie. Et le plus important évidemment, c'est que le jeu est obligatoirement en mode expert. Voilà. Bon, je pense que ça vous a bien ambiancé. On va pouvoir commencer. Ça doit être celle-là. Je sais plus. Une survie. Resident Evil. Nouveau costume est disponible. Ouais. On avait fait avec le couteau avec celle-là. On avait fait le jeu normal avec ça. Oh putain. Ouais, j'avais oublié. Donc, nous allons faire le mode de survie avec Chris. Mais la question, c'est avec lequel? Avec le Chris du RE5 ou avec le Chris en mode wesh ma gueule, je lui reviens du ski, t'as vu? Je fais du skate. Allez pour le lolz. C'est Chris from Saint-Gervais. Alpha Team is... Exactement. Alpha Team. Quoi? There are only three STARS members left now. Captain Wesker, Jill, and myself. We don't know where Barry is. Where is Barry? Is everyone all right? Seul, hein? Barry, where's Barry? He's... No. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris? Hey. Si je dis pas de conneries, il commence avec le couteau. Ouais, voilà. Seulement. Je reprenne les commandes en main. Ça, c'est la carte. Ok, c'est comme ça. Pareil, on va pas s'emmerder avec les multiples fins. Hein. Là, on va faire un... La fin basique. Oh mon dieu. C'est une épée courte. Bon, ça, on l'a vu 50 fois. Effectivement, à ce niveau-là, c'est une épée courte.
si je me barre en mode ah, j'ai trop peur. Ils sont Wesker? Partis. Jill? Where did they go? Je vois rien avec mes lunettes de soleil. Par contre, ça c'est cool. Petit cadeau. C'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'il faudrait que je réactive les contre-attaques automatiques. Voilà, arsenal tactique. J'ai aucun intérêt d'aller là-bas à part récupérer un arsenal tactique qu'on va directement utiliser vu que l'ennemi nous agresse directement dans le couloir. Pas le choix. Il va falloir passer par là où il y a les zombies. Il y a une tache de sang. D'ailleurs, c'est le jeu qui s'adresse à toi aussi. Tâche de sang te parle. Oui, il est passé dans le couloir. Tant mieux. On peut passer directement par ici. Ouais, une herbe verte. Démerde-toi avec ça, bisous. Putain, c'est vrai qu'elle fait la taille de son bras, quoi, limite la... le couteau. J'avais pas... Bon, le truc, c'est que ça va être tendu, là, sur le début. Là, les ennemis vont pas se laisser faire. Hein. Putain. Salut, lui, Padrien. Là, tu me diras, Chris, il a beaucoup plus de vie. Ou pas. Pas voulu mais c'était bien. Lui de l'autre côté on s'en fout. Normalement dans le cimetière il y a deux zombies. Magnifique dodge. Dodge qui n'était pas voulu, hein, on le rappelle. Bonsoir maître Sodems. DMC. Soda MC, d'accord. Putain, c'est PS4 qui met pas les majuscules du coup. Donc c'est maître Soda MC. Hop. Je me suis dit tout nu.
Et oui, du pas de rien. C'est Resident Evil 1 Rebirth, enfin remake. Ah, si j'ai Gaëtanus, ça va alors. Je m'en fous du grimoire, je connais l'histoire. C'est... Par contre, moi je lutte, hein, donc je sais pas combien de temps je vais durer. Ah putain, non. Vache quoi. J'ai déjà douillé, mais putain, mais vas-y quoi, je me suis fait mordre une fois, je suis déjà dans le rouge. Ce blague. La grosse blagounette. Il faut que je débloque le raccourci du cimetière aussi, faut pas que j'oublie. C'est qu'une fois que j'aurai le raccourci du cimetière, j'aurai plus besoin de passer par ce couloir là. Dis-moi qu'il y a munitions, dis-moi qu'il y a munitions, dis-moi qu'il y a munitions. Nope. C'est démerde-toi. C'est le truc des herbes. Là, c'est la salle de bain. Là, c'est le fusil à pompe. Et tout ça, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est ici. Du coup, ouais, cette porte là, normalement la poignée se pète, et là en mode survie, bah elle est incassable. Ah, il y a ça aussi, on peut plus viser les ennemis directement. C'est rigolo, ça a dû pas de rien. Ton message il apparaît pas sur le chat, mais je le vois quand même. Une petite clé. Ah oui, il y a que de chini quoi. D'accord. Ok. T'as tout cassé du pas de rien. Mais je le vois t'as quand même sur mon. De mon côté sur Twitch. Ah ça y est, c'est revenu. On va aller foutre le feu. Voilà. Parce qu'il est dans un endroit un peu chiant. Ça va apparaître, c'est bizarre. Tu peux pas Rebirth pour l'ID3 exactement, ouais. Qui n'a pas été annoncé, mais qui doit sûrement y être. Quoi, je peux pas les cramer? Ah, si, quand même.
Non, il n'y aura pas de raison. Putain, vous êtes en train de me casser le chat là. Je sais pas ce qu'il a. À mon avis, il doit y avoir une latence énorme pour le chat. Il y a un truc qu'il a pas aimé. Ouais, ça doit être ça. Bah non, pour l'instant, t'as pas mis des mots et toi, il a dit non plus, non. Bon, c'est un peu l'arc-en-ciel, mais sauvegarde, du coup. Tout ça parce qu'il voulait pas mettre entre parenthèses à quoi correspondait le mode de jeu. Du coup, bah, ils ont mis des couleurs. Du coup, on comprend encore moins. Ça normalement. Allez. Olé. T'aurais pas dû faire ce petit pas de côté, mon gars. D'être ça. Abigail. Heureux, vu que t'étais là cet après-midi. Putain, il va y avoir les chiens à tuer, c'est vrai aussi. Ah, ça c'est bien. Ça peut aller, il y a juste le chat qui est en train de décéder, du coup il sait plus afficher les trucs. Tellement en train de me casser le chat. Du coup, je suis obligé de tourner la tête à chaque fois pour voir sur le chat ce que vous dites. Le chat, couché. Moi je ressors juste là de ma session The Night Manager. Depuis que je suis rentré, j'ai tellement enchaîné les séries que j'ai raté que mon esprit est en train de se mindfucker tout seul entre Daredevil, Gotham, Marvel Agent of Shield. The Night Manager et Daredevil. Mon cerveau est en train de tout mélanger, je sens. Attends que ça. Lâche-moi, putain de chien! Oh, ils vont me tuer. Au moins. Putain.
Ah. Le jeu qui me redit bonjour. Ça, c'était le coup critique, je pense. Ok, bah c'est cool, les herbes vertes ici. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Ah oui, ouais, j'avais vu ça qu'ils n'arrivaient pas à streamer. Ouais, je pense que Twitch il est vraiment en PLS là. Il est en train de crier achevez-moi quoi. Au moins. Alors là, il va falloir la jouer fine parce que. Ah non, il va jeter le sifflet donc je peux aller récupérer le fusil à pompe. Tirer au plafond, c'est pour toucher la tête, mais ça marche quasiment jamais. Donc ça m'énerve. D'accord. Putain, j'ai déjà presque plus de balles. Là, c'est à cause de ces lunettes de soleil. Et oh putain, elle m'a fait peur celui-là. Il me faut une petite clé pour ouvrir ici pour récupérer le shotgun. Gilbert Montagné, toujours là. Bonjour. Ouais, pose toujours, tu m'intéresses.
Tiens, t'es content, mange ta feuille de clé. Par où je vais passer? Ah, on peut examiner les mâles et voir ce qu'il y a dedans. Ça, c'est plutôt cool. J'ai l'impression que vous êtes tous bourrés. Vous avez fait quelque chose de spécial ce soir ou quoi? Salut corbeau. Ça va bien la vie, tout ça? I saw last night the raccoon. Viens d'Aïssée. Y'a des zombies et des. Il faut aller encore. Ouais. Mais bah attends, j'ai une nouvelle clé, je suis con. Hein. Et pas des chiens non plus. Je fais pas câliner comme ça. Brainstorm a donné la bonne réponse du pourquoi. Il n'y a pas d'herbe, donc ça sert à rien. Comme ça, Forest va pas se lever, il va pas nous emmerder. Hein? Allez, salut Forest, des bisous. Tout un câliné Isaac. Non, parce qu'il faut savoir, c'est que LF m'a pété une côte pendant la grande l'IRL. Et je ne m'en suis toujours pas remis, et ça fait déjà plus d'une semaine. Je ne mens pas. Ah tiens. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Et elle a son Richard, costume de. What the hell happened to you? Chris. Ah mais elle, elle voulait pas me casser non plus, elle, pourtant. Get your team out of here. Demons everywhere. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake.
the size of the bite mark is huge. It's... est-ce qu'on le sauve? Ouais, allez. Ça va venir nous aider avec les requins. Disons que je suis quelqu'un de fragile et du coup il m'a soulevé, on va dire avec une mauvaise position, il m'a soulevé tel un chat qui pendouille. Imaginez un chat qui se laisse pendouiller des deux côtés quand vous l'attrapez bien par en dessous des côtes. Bah, sauf que moi j'ai fait pareil mais je l'ai mal vécu. On n'est pas comme des chats donc moi ça s'est cassé. Enfin, on soupçonne que ça s'est cassé, que c'est fêlé ou quelque chose, mais en tout cas... Whisky, le blond à lunettes, exactement. Il faut qu'on lui dise qu'on a trouvé qui est le traître. Wow. Je ne vois pas le problème. Il me fait peur par contre, là... Calme tes ardeurs, voyons. Oh, mais c'était quand même cool, faut pas dire. IRL. Au moins, on a eu nos diplômes de speedrunner. Qu'il faut encore que j'encadre, d'ailleurs. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. Ouais, prends ça. Richard's doing well, Chris. He should recover. Ouais, ouais, c'est bien. Du coup, elle m'a ramené ici, cette spiatch. Et j'ai oublié de me retaper le chemin en sens inverse. Magnifique. Ils ont même pas pris la peine de tuer le zombie. Enfin, mais pourquoi il active pas le... Bon. Tu voulais sérigraphe ta fiche à l'arrière. Ah ouais. Moi j'aurais bien vu une carte de membre, tu sais. Toi tu gardes ton portefeuille et tu montes ta carte, vas-y, mes temps, mes barres, à la fin des deux, voilà ce que c'était. Ouais, ouais, ça devait être ça. Tout était prévu en fait. Bah oui, une carte de membre. Ça aurait été cool. Putain, le zombie qui est pas du tout discret. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. On l'a pas vu de...
Nope. That's a nope. Ça, ça fait du bien par contre. Quand le zombie qui est ouvert, ça c'est pas cool. Allez, venez, venez, on va faire le tour. Faites le tour de la table, oui, c'est bien. Bon, ça, c'est une armoire. C'est pas un humain. Putain, quel con. Mais putain de ta mère. Laisse-moi tranquille. En train de bourrer les soins comme un gros sac là, c'est pas la manière la plus intelligente de procéder, mais bon. Putain, il tape à la porte. Ah mais... Non. On va pas le laisser rentrer. Pardon, c'est la fatigue. Salut, ça va ? Ah oui, je sais, hein, c'est dur la vie. Ah, en plus, Wesker est déjà venu nous mettre des petits bonus. Et je crois que c'est des tout petits bonus. Et voilà. C'est au moins ça, quand même. Ouais, niveau sauvegarde là c'est... Allez-y doucement. Et salut Jimad, qui est enfin là pour un stream Resident Evil. Oui. Bon, maintenant où qu'il faut qu'on aille où? Alors, on va devoir aller chercher hein, les. Ouais, je stream via la PS4 en fait. C'est pas possible, je m'endormais. Ah bah oui, hein, pour s'endormir à des heures décentes, madame. Ouais, c'est chaud parce que je serai du coup en wifi. Joie. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Et je suis en qualité la plus basse possible pour streamer. Putain de merde.
c'est le moment où on vit de la baignoire et qu'on se dit coucou, il y a les zombies. C'est tout le moment où tu dis avec Jill et tu lui écrases la tête, et avec Chris, tu t'éloignes et tu le finis au pistolet. Avec un coup critique. Bon bah, ok. Lol, ok, j'ai envie de dire. Tant mieux. Du coup, on a même pas besoin de cramer son cadavre. Il reviendra pas. Ça, c'est fait. Salut, ça va ? Merde. Bon bah voilà. Ça, Maître Soda, je l'ai vu qu'une seule fois et c'était sur FF Type 0. Il n'y a que dans FF Type 0 que ça m'a fait ça. Mais encore, c'était pour vraiment des trucs minables. Hein. C'était pas des trucs faramineux. C'était une réplique, il voulait pas qu'on montre une réplique d'un perso. On va plutôt passer par là du coup. Et coucou, c'est les chiens. M6 Complex Files, non, c'est plus violent sur PS4, c'est vraiment un blackout total et vous voyez rien. Ah, mais il a pas gardé en mémoire. Voilà, je me disais aussi, c'est bizarre. Bah, ouais, c'est ça. Hein. Donc tu passes pas par moitié d'acquisition, ils ont tous les droits. Putain, je mets la cote encore plus à cause du chat non plus. On a récupéré quoi? Le désherbant, donc il faut aller tout à gauche, oui c'est ça. Après, ça tenait qu'à moi, c'est sûr que j'aurai un moitié d'acquisition, je ferai un layout un peu plus propre et tout, mais bon. Si je savais utiliser Photoshop aussi, il faudrait que j'ai Photoshop et que je sache l'utiliser pour faire des layouts. Parce que du coup, je vais me mettre à faire des rétro-achievements pour un jeu en spécifique. Et il faudra que je fasse un layout rétro-achievement. Tout propre, tout beau, tout neuf. Ça, on aura un stream rétro achievement sur un jeu spécial, un jeu que j'adore beaucoup. Comme ce poignard dans sa tête. Qui prendra beaucoup de temps en stream aussi, je pense. Coucou, je suis le zombie. Waouh, on va pouvoir refaire des layouts, Jimad. Layout. Rouge. Voilà. Plein de plantes vertes. Non, on va pas les cramer. Que quoi, toi? C'est beau. Moi, je prends ça. J'ai plus de place pour les plantes, c'est pas grave.
Ça, je voudrais pas de désherbant. Ah bon? Ah, c'est terrible les zombies. Hein. Tous des vandales. Quoi ici déjà? Je sais plus. Ah oui, c'est la salle de merde. Qui t'apporte rien à part des balles gaspillées. Merde, ça c'est le rôle de Tifa, tu racontes n'importe quoi, maître, ça va. Le zombie wall. Tu fais chocolat, t'es un chocolat. Parce qu'il a faim, la médaille en pâte. Directement amener le masque. Ça va me faire faire des allers-retours, mais c'est pas grave, ça me libère de la place. Ah, le collier de nouilles, évidemment. Pour le raccourci. Est-ce qu'ils se sont barrés? Non. Reste là, le gros. Ah bah il faut ce qu'il faut hein. Donc, comment est-ce qu'il va là? Voilà. Pas. Où qu'on va? Récupérer encore un masque. Pas eu le temps, hein. Le mec il a ouvert la porte cash direct, quoi. Même pas tapé dessus et tout. Quoi. Ah, encore l'énigme auquel j'ai rien pité, mais que j'arrive à résoudre à chaque fois à la zob.
Voilà. Le pifomètre, hein, le plus complet, complet. Trois dans un carton. Ta-da-da-da. À gauche, à droite, non, perdu. Ta-da. Il y avait un masque à l'intérieur. Oh mon Dieu. Ce mode de jeu là, c'est vraiment pas un mode de jeu pour Tifa, hein, parce que lui qui avance toujours dans le jeu en se déplaçant en mode « Ah, je vise, j'ai peur !» Vous qui lock les ennemis. Et là, le lock automatique des ennemis est désactivé. Donc en gros, démerde-toi. Il lui crame la gueule, ce qui est en haut. Ah non, je sais où est-ce qu'il est. J'ai entendu un zombie, mais je sais où est-ce qu'il est. Il est en haut dans le couloir, mais on n'ira pas tout de suite, donc... On s'en tape. D'ailleurs, on va laisser ça là, et ça là. Parce qu'on a besoin de place pour aller récupérer ce qu'on va prendre. Non, si tu les crames pas, ils se relèvent dans une version améliorée des zombies, c'est-à-dire les Crimson Head. C'est des zombies qui courent, qui ont des griffes, qui sont vraiment plus féroces. Et ce qui se passe, c'est que t'es obligé de les retuer une deuxième fois, et ils sont beaucoup plus puissants. Mais une fois que tu les as tués la deuxième fois, ils sont morts pour de bon. Mais du coup, voilà, vaut quand même mieux les tuer, enfin les cramer dès que c'est possible, quoi. Ça évite de... Surtout dans un endroit où tu passes souvent, tu sais qu'ils vont finir par se relever, autant les cramer, quoi. Ok. Hein, le bon clan, on va le prendre après.
Salut. Au revoir. Ah, ces chats alors, fantastique. Les chats sont merveilleux. Ouais. Je vais laisser le symbole du vent dans le coffre. Par contre, quand je repasserai à côté là pour me barrer dans le jardin, faudra pas que j'oublie de le prendre pour récupérer le magnum. Moi j'ai un lit de place. Une place pour moi, une place pour le chat. Bravo Brainstorm et Jimad, les grands esprits se rencontrent. Est-ce qu'il y a encore une petite clé? Là, il faut vraiment que je trouve toutes les petites clés. J'ai raté un objet. Là-haut. Ah oui, mais c'est un zombie aussi maintenant. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh putain, me dis pas que c'était ça. Si putain. C'était juste, j'ai oublié un document. Le chacouette. C'est lui Roland. Oh putain, là, il est énervé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui Où est-ce que je peux aller? Et salut Evacuity aussi. Désolé, j'ai pas vu. Même Aura, oui. Faut la petite clé pour aller récupérer le cadavre entre guillemets de fusil à pompe. Où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai pu oublier? C'est ça, ouais, Vacuity. C'est le mode survie. Où est-ce que j'ai oublié? Il manque encore deux petites clés. Où est-ce que j'ai pu les laisser? Est-ce qu'il me manque la petite clé pour le raccourci? Et la petite clé pour le fusil à pompe.
Ouais, je vais pas m'emmerder à faire. Merde. Je vais pas m'emmerder à faire les fins les plus dures. Donc si je peux éviter un combat, je vais pas dire non quoi. Merde, je sais plus, je crois que c'est ça. Et les deux autres, c'est l'autre côté. Ouais, c'est ça. Le bad ending de crise dans tous les cas, c'est vrai. Ah merde, mais du coup j'ai sauvé Richard. Est-ce que ça va compter comme un good ending en ayant sauvé Richard? Merde. Ouah putain. Ça va les câlins hein, en groupe c'est bon quoi. Ouais ça c'est sûr faut sauver Jill mais du coup je fais pas les disques MO donc c'est réglé. Oh, vous êtes là pour le 100%, il manque plusieurs. Putain, calin. Je sais plus, il faut que je finisse du coup le bad ending de Chris. Apparemment, j'ai raté un objet ici. Ouais, c'était ça. Effectivement. Je disais quoi, oui, il me manque finir le bad ending de Chris, finir le mode survie. Ensuite, il faut que je fasse le mode invisible où tous les ennemis du jeu sont invisibles. À part quand ils te touchent pour la première fois ou qu'ils meurent. Et effectivement, le mode speedrun en moins de 3 heures. Get me alive. Ah oui, obtenir toutes les armes du jeu, etc. Mais ça se fait avec les... faisant le jeu, tout simplement. Là, la question que je me pose, c'est quoi? C'est le plus dangereux, c'est de faire les chiens ou de passer par le couloir en haut? À la limite, je peux passer par le couloir des chiens, ça peut être moins risqué. Bonsoir, tu n'es pas très très gentil. Ah putain, il y a eux aussi. Bon, ok. Ouais, pas d'auto-aim aussi. Mais ce qui est bien, c'est que pour le mode invisible, on a le choix de la difficulté. Donc à mon avis, je le ferai avec Jill et en débutant. Comme ça, je serai peinard. Et là, je ne peux pas récupérer le fusil à pompe car je n'ai pas de petite clé. Ouais, dans 4 ça va, dans les premiers, il court plus vite que toi, donc c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Putain.
Ok, ça c'était de l'esquive. Non, j'ai pas de trucs pété au corps à corps, j'ai juste ça, justement, les systèmes de défense. Ah putain, voilà, évidemment. Mais, voilà, pareil, ça c'est le truc casse-couille avec les chiens, c'est qu'ils passent 3 quarts d'heure à te bouffer. Et quand il y en a un qui t'attrape, le deuxième est toujours pas loin pour te rattraper, quoi. Putain. Je suis à 73% des achieves. Chien dans RE4, c'est pas en fonction de la version, tu veux dire, c'est plutôt en fonction de la difficulté que tu choisis. Si tu choisis une des difficultés très basses, t'as pas besoin de faire le jardin et du coup c'est hyper simple. On va poser les masques. Le dernier masque qui nous manque, c'est celui du serpent. Ça, faut faire le truc de l'emblème avec le piano. Donc il faut aller dans la salle du piano et j'ai pas pris la partition. Merde! Ah, tu parles du spire, d'accord. Ok. Il faut aller dans la salle du piano, mais il y a le zombie dans le couloir. Bon, on va le tuer. Non, putain, le problème c'est qu'il va revenir à Crimson Head et je passe pas mal par ici. Putain, mais où sont ces petites clés qui me manquent? Voilà. Le truc c'est que j'ai encore les clés. Ça signifie qu'il y a des portes que j'ai pas encore ouvertes. C'est quoi ces escaliers là? Ah, c'est vers la salle du serpent. Toi, tu vas prendre un moment temps. Oui! Oh putain, j'ai vraiment eu du cul là. On a besoin de cette clé, oui.
Oh putain, j'ai vraiment eu du cul que ça fasse un coup critique, quoi. J'ai tellement croisé les doigts pour que ça arrive. Bon, le seul problème, c'est que j'ai laissé les partitions dans le coffre. Ici. Voilà, c'était les seuls endroits où il manquait à utiliser les clés. Au moins maintenant on a libéré deux places d'inventaire. On va pas s'en plaindre. Dis-moi qu'il y a une petite clé là. Oui. Le souci c'est savoir où elle l'utiliser. La bonne nuit Brainstorm. Que j'utilise la petite clé pour faire le raccourci pour aller chercher le shotgun. Oui, c'est bon. Après, il y a un zombie. Oh là là, c'est triste. Eh oui, c'est con, hein. Le truc c'est que le raccourci va bien me suffiser. Putain. Je peux passer par là parce qu'il y a l'autre qui m'attend là. Déjà, ça nous permettra d'avoir un accès plus rapide au coffre. Parce que c'est vraiment le seul coffre qu'on pourra utiliser du jeu. Hop, je vais. Ah merde, elle est verrouillée de l'autre côté. Je suis obligé de refaire un aller-retour quand même. Ah, pour le piano, d'accord. Putain. Il me reste des items. Non. Il me reste beaucoup de balles. Non plus. Parce que ce couloir risque de très vite devenir le couloir de la mort avec le nombre de zombies qui s'y trouvent. Et l'homme de Crimson Head qui va peut-être s'y retrouver si je les tue tous. Putain.
si la dernière petite clé serait pas là-bas. On se permet une sauvegarde. Je suis bien tenté, ouais, de faire une sauvegarde. Je pense que je vais faire une sauvegarde, on va voir ce que ça donne. On va pas se soigner. Je vais voir ce qu'il y a en haut. Il y a la dernière petite clé qui me manque. Comme ça, je passe par le raccourci du cimetière et je vais directement chercher le fusil à pompe. Mais je sais pas si j'aurai assez de kérosène parce que là, en extrême, à mon avis, c'est ça qui va me faire défaut. Non, je vais pas encore, c'est le dernier là. Il me manque plus que lui de toute façon. Fuck! Ah non, il y a pas de zombie là. Ah non, c'était lui justement qui était là normalement. Pas tué, je lui ai balancé des balles dans la gueule et il n'est pas mort à mon avis. Ça pour une herbe verte, bon, ok, c'est déjà ça. Ben voilà. Ce que j'essaie de faire, je vais essayer de les esquiver un maximum. Hein. J'ai pas vraiment le choix. Oh merde. Je veux dire, respire un peu fort la PS4. Hein. J'ai oublié de lui enlever le plastique autour. Critique ou rien, ouais, c'est ça. Ah, t'as bien vu, on a fait des critiques au pistolet. C'est du moonshot, mais on l'a fait. C'est au-dessous. Pourquoi ce Joker d'ailleurs? Parce que c'est le Joker d'Arkham Knight et que c'est le meilleur. Joker, c'est le meilleur perso de Batman d'ailleurs.
avant, apparemment, il y a encore un item que j'ai pas pris. Après je sais pas, je vais voir. C'est trop, c'est ce que je pense. Alors si je sais pas ce qu'on va plus que la donne. It's me, Chris. Rebecca. That sounded like Moonlight Sonata. Can you play? J'ai envie de faire caca. Ah, tu la trouves Mimi en cow-boy. D'accord. Donc tu dis que c'était la dining room, donc il suffit que j'aille là, que je revienne et c'est bon. Le outfit dans 0 PC c'est le même que sur PS4 hein, donc je sais déjà ce que ça donne. Bah si, ça a l'air d'être le hall en fait. Bien sûr, ouais. Après c'est peut-être la dining room, mais à un certain niveau, c'est-à-dire traverser le milieu de la salle ou une connerie du genre. Bon, c'est pas grave, on est pas en speedrun là. T'as vu, je sais jouer du piano. Debout. Lol. Merci maître Soda, dors bien. Des bisous. Yeah. Ok. Bon, c'était juste un mur.
courte poitrine, longue tête. Courte poitrine, longue tête. Voilà. C'est vrai que c'est la version DS qu'on pouvait skip les trucs. Dans RO2 PC aussi on pouvait. Ouah. Non. Putain. Ah bah si, on en avait tué un. Hein. Putain, le Crimson Head sorti nulle part, quoi. Vache, je pensais pas que ça l'avait tué, quoi. Bon. Bon, je pense par contre qu'on va en rester là pour ce soir. On va partir sur une défaite malheureusement. Mais je commence à être fatigué tout simplement. Et ben, on continuera peut-être demain soir. Il y a des chances, oui. Là, si je commence à reprendre un rythme, à me coucher à 3h du mat, c'est bon. Je pense qu'on pourra reprendre sans souci les streams du soir. Et puis voilà, on continuera la partie avec Chris. Ouais, faut le brûler, je sais bien. Mais le problème, c'est qu'il est déjà réveillé, donc c'est mort. Faut le tuer, tout court. Le mieux, ce serait d'avoir le shotgun, mais voilà. Bref, je vous dis bonne nuit, et bah, à demain. Voilà, des bisous.